Eh bien bonsoir les gens, c'est Willy. On se retrouve pour un tout nouvel épisode de notre Let's Play sur Pokémon X. Dans l'épisode précédent, nous avions récupéré le badge Nymph de Valerian, la championne type fée. Pas de grande difficulté. On a galéré un peu parce qu'on n'avait pas les bons types, mais sinon on s'en est quand même plutôt bien sorti. Et puis maintenant, plus que deux badges avant la Ligue Pokémon, je suis curieux. Elle, je me rappelais plus du tout qu'elle existait, mais lui, je me rappelle très bien. On avance très bien, on approche petit à petit de la fin. Là, on va aller se rendre dans l'usine de Pokéball, qui peut être au nord de la ville, si je dis pas de bêtises. Oui, parce que Sana et Trovato s'y trouvent. Donc on va aller les voir, hein, parce qu'ils ne peuvent pas se passer de nous. Allez, let's go. Oula, la musique est space. Ah oui, cette musique! Ce n'est pas très sympathique de leur part. Ils ne nous laissent pas entrer dans l'usine. Ils vont nous laisser passer, je m'en charge. Je suis sûr qu'ils succomberont à mon charme. Bon, bah on va y aller. Ah non! Eux aussi. C'est quoi encore ce qui se passe? J'ai vu Sasa et Trov foncer comme des dingues. Nous étions censés nous retrouver ici. Je me demande bien ce qui leur a pris. Mais ça a du calme. On ne passe pas, j'ai dit. Mais il se passe quoi à la fin? Bon, on n'a pas le choix. Faut les suivre. La Team Flair, ici? Il doit se passer quelque chose de louche à l'intérieur. Je sais pas si je vais les suivre. Oh non, par contre, le temps est tourné dégueulasse. Mais où ils sont passés? Cette petite punaise prétentieuse, ils sont un télo à lunettes. Par contre, je sais pas du tout où ils sont, hein. On va devoir chercher un peu par nous-mêmes. Parce que ça, j'avais oublié qu'il y avait une course-poursuite. Non, t'as besoin de chercher. Ah, ok. Ah, bah écoute, on va aller tabasser la Team Flair alors. Bah, merci pour l'info, parce que j'étais parti pour les chercher partout dans Kalos. En plus comme ça on se tape la super chanson de l'usine. Obligé, il y a des Pokéballs ici. Pas un truc caché là? Non. Si! Une huile! Oh, pas ouf. Par contre la musique est trop bien. Hein. J'avais oublié mais il y avait des bangers hein, dans cette version. Comme musique. Passer. Allez, la Pokéball. Un rappel max. C'est pas mal. Ça valait le coup. Bon, rentrons. Et là, bah, on va se taper. Hop, Flambusard, et let's go. Mais, ils ne sont même pas fichus de monter la garde dehors. Désolé, mais ce n'est pas l'heure de les visites. Un costume rouge, vous êtes de la Team Flair. Vous avez pris un travail à mi-temps pour payer les frais d'entretien de cette horreur que vous portez. Que quoi? Vous osez remettre en cause le bon goût de la Team Flair? C'est encore pire que de médire les robes à sequins. Kraina, à table. C'est bon, passe devant. Je m'occupe de cette baudruche Carmin. Ah, d'accord. Longtemps, je me suis battu de bonne heure. Que quoi? Eh oui! Allez, on va le défoncer.
One shot. Flamme bizarre monte au niveau 40. Dracofeu monte au niveau 41. Je crois que je vais désactiver mon multi-exp. Oh, tranche, par contre, c'est pas mal ça. Quoique. Bon, on va garder Griffon. Bon. Ah, je suis bloqué, merde. Est-ce que je peux monter là? On dirait bien que oui. Let's go. Les Pokéballs empaquetés et expédiés, vous, à terre et en larmes. L'équipe de Willy est incroyable. Ah, t'as vu? Il y a beaucoup de double types, mais elle est très bien. Moi, je l'aime bien. Allez, nitro-charge. Ça fait mal. Allez, acrobatie. Nosferalto, on switch, on va mettre... Amphinobi, allez. Je pensais que t'allais prendre Exagide, mais en vrai j'attaque la team. Bah Exagide, je l'aime bien, mais je préfère mille fois plus un Lucario. Donc ce sera pour une prochaine fois, Exagide. Allez, surf. Et on va terminer avec un entière. Exagère sur Usul. Ah, peut-être, hein, on verra. Je rêve d'un monde sans problème. Je préférerais livrer par tapis roulant à ZP. Après Usul, il y a moyen que je le fasse sur. L'année prochaine, hein. 2023, ça se peut que je fasse Usul, ça dépendra lequel me chauffe le plus entre Ruby Omega et Ultra Soleil, mais je pense que ça dépendra de mon avis, mon envie du moment, parce que franchement là les deux me tâtent. J'ai envie de redonner une deuxième chance à Usul et en même temps j'ai envie de retourner à Owen, donc on verra ça le jour J. Alors, il n'y a rien ici. Je regarde un petit peu parce qu'il y a moyen d'avoir peut-être des petites Pokéballs, des petits objets un peu rares, un peu stylés. Voilà, des Chronoballs. C'est déjà la plus sous couteau. Bah écoute, on verra ça, Sacha. Parce que moi, j'ai pas du tout aimé Soleil et Lune. À l'époque, je sais même pas si je l'ai fini, pour te dire. Mais Ultra Soleil, je n'ai jamais joué. Et je sais qu'il y a quelques petits trucs en plus. Pas grand chose, mais quelques trucs. Du coup, je me suis dit, ben, si je dois retenter un jour, pourquoi ne pas faire la version la plus complète, la plus remplie. Et puis, on verra, hein. Peut-être 2023. Je verrai. Il y a un mec à affronter, là. Pokéball. En vrai, la 7G, ils ont pris plein de risques à enlever les arènes, les évolutions légendaires et l'ultra chimère. Ouais, bah moi justement, j'étais pas trop fan, parce qu'ils ont enlevé les arènes pour un truc qui était pas dingue, à mon goût. Après là, on reverra. Mais ouais, c'était ça, et Tilly qui m'avait un peu saoulé aussi, parce qu'il parlait tout le temps, c'était un peu comme un habile en fait. J'ai eu du mal avec l'ambiance trop dirigiste. Mais bon, on retendra une chance, hein, parce qu'en vrai, à ce qui paraît, il y a quand même beaucoup de Pokémon différents dans ce jeu. Il y a des Pokémon qui me tentent un petit peu aussi, là, de rien. Il y a moyen de faire une team un peu rigolote. Et vu que c'est différent, tu vois, je le vois bien faire ça en été, un peu en mode de chill et tout.
je vais m'offrir XY, je vais lui donner une chance. Ah, t'as vu? Même moi, hein. De toute façon, moi, j'aime bien donner des chances à des jeux que j'ai pas aimé. XY, tu vois, ça faisait longtemps, donc je voulais rejouer. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Les scientifiques. Pour rendre la vie des Pokémon plus facile, nous avons automatisé toute l'usine. Quelle brillante idée! Comme ça, il n'y a presque personne. Et nous avons dû capituler en 10 secondes. Ok. Ah, elle peut me soigner, elle, c'est cool. Et sinon, t'as épée pour la 9G? Oh, mais de ouf! Franchement, là, j'aime beaucoup les Pokémon de la 9G. Ils sont assez stylés. Et puis, c'est un open world. Et moi, ben, c'est ce que je rêvais, hein, un Pokémon open world. Donc, ouais, en vrai, moi, ça me tente bien. J'attends juste d'en voir plus. Et puis, je pense prendre Coafton, hein, s'il a une belle évolution finale. Si l'évolution finale est moche, ben, ça partira sur Chouchoudil. Ah, c'est là l'interrupteur. Le tapis roulant a changé de direction. Je suis une guerrière sans peur. Bully, les starters hauts, c'est une grande histoire d'amour. Ah mais oui. Ah franchement, dites-vous, quand je commence un jeu, il y a 90% de chances que je prenne un starter haut. Regardez, type Louf, Moustillon quand j'ai fait Pokémon Blanc. J'ai plus d'exemples. bah là, Grenousse, Kaiminus. Ah oui, hein. J'aime beaucoup les Pokémon hauts. Quand je ferai la 3G, ben je prendrai sûrement Gobou. Sauf si je fais Ruby Omega, Emerald et Ruby, il y aura un des 3 jeux où je prendrai sûrement Arco ou un autre Pokémon comme ça. Mais ouais, j'aime beaucoup les Pokémon hauts. Graiena, on reste sur Lucario. Et un bon point boost bien placé, je pense que ça le met KO. Je vais recommencer Y, mais le starter, j'hésite entre Grenousse et Marisson. Bah moi je suis tenté de dire Marisson, Grenousse parce que je l'aime beaucoup. Après Marisson, j'aime bien le Pokémon, son évolution finale, le blind épique. Je trouve qu'il est un peu classe avec son type plan de combat en plus. Et puis je sais pas, je l'aime bien, il a un côté un peu bourrin, genre ça se voit lui, genre il fait des bagarres, il se tape, il prend des coups, il s'en fout, et justement il tank et tout. Je sais pas, j'aime bien son, j'aime bien blind épique en vrai. Ok, il y a quoi par là? Il y a le petit membre que j'ai défoncé et il y a eux. Ah! Allez, un peu de bonne volonté et d'élégance, travaillez pour nous! Vous n'allez pas laisser une faible femme transporter ses Pokéballs une par une, j'espère. Qui plus est, la Team Flair sait se montrer fort généreuse. Avec un don de 50 millions, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup à réfléchir. Mais qu'est-ce que vous pensez, pauvre fou? Le monopole de la Pokéball? Moi, vivant, jamais. Ah, inutile de perdre du temps avec lui. Je suis d'accord. Quand quelque chose ne sert plus, on s'en débarrasse. Oh, mais que vois-je? Un intrus? C'est vous, les intruses. Qui que vous soyez, aidez-moi par pitié. Un PDG désespéré? Ah, ça, ce n'est jamais bon signe, croyez-moi. Évitons les déconvenus et procédons à une liquidation totale. Tout doit disparaître. Mais j'avais totalement oublié ces managers de la Team Plasma. Moi je me rappelais que des 4 femmes là, de chaque couleur, et du Exantim, le pseudo-boss. Allez, Chargeos. Oh.
J'ai envie de tenter un point boost pour augmenter mon attaque. Et pour le one shot aussi. Démolos, on va switch, on va mettre Brutalibré. Flying Press. Et ça one shot. Mais comment ? Ma parole, quel acharnement ! Tu es le saint patron des causes perdues ou quoi ? Les managers sont normalement infaillibles, comme cela doit être embarrassant. Bah, il y a toujours une deuxième chance, grâce à nous. Mettons les probabilités de notre côté. Allons-y à 2 contre 1. À d'autres ! Désolé du retard. Encore ? Mais que fait le service de dératisation ? Un gamin, deux gamins, quelle différence ? Une maîtresse peut bien mater toute une classe, alors deux maîtresses ? Quelque chose me dit que les maths ne sont pas votre fort. Vous ne seriez pas trompé de métier ? Les calculs ne sont pas bons, Kevin. C'est parti. Brazeni de la Team Flair veulent se battre. Cyan et Brazeni, ok. Drôle de nom. Bon, a priori, on les défonce. Déjà, son Leopardus, je peux le défoncer qu'un point boost. Comme ça, j'augmente mon attaque. Et quand il sera battu, je pourrais faire charge os sur l'exprint. Et vu que je vais gagner un petit peu d'attaque avec point boost, il y a moyen que je fasse mal. Oh, il tank, merde. Mais écoutez, on va laisser Mystigrix finir Leopardus. Et moi, je vais faire charge os sur l'exprint. Oh, j'ai pris cher. Allez, faut que je fasse 3 coups au moins. C'est bon. Allez, vas-y Mystigrix. J'espère que tu fais un truc utile. A priori oui, parce qu'il a cédé à la provoque. J'attends ton let's play sur Ratchet & Clank. Bah écoute Brice, tu vas être très content parce que cet été je commence Ratchet & Clank Opération Destruction en live. Je sais pas quand exactement, je pense quand j'aurai fini Pokémon X. Quand j'aurai fini Pokémon X, je ferai Ratchet & Clank. Et donc il sortira sûrement d'ici septembre, un truc comme ça, septembre-octobre. Depuis le temps, là justement, je vais bientôt commencer les tests niveau réglage. Et puis on verra si ça marche bien. Ah là, le niveau des rivaux en combat duo, mais pas très toujours. Ah mais oui, mais là c'était vraiment... comme dit Cyan, quelle honte. Elle n'est pas digne de son rang. Ah, franchement, Serena, pas dingue. Hein. Quoi? Non, la défaite, la honte suprême. Assez de Jérémiade. Nous avons déjà récupéré tous les stocks de Pokéball, du Super Ball et d'Hyper Ball. Ce sera suffisant. Filons. Merci, merci tout cœur. Visiblement, la valeur d'un dresseur ne se mesure pas à son âge. Vous êtes des dresseurs d'exception. Vous méritez une récompense. Que préférez-vous? Une Master Ball ou une Maxi Pépite? Je t'en prie, choisis le premier. Bah, la Master Ball. Et voici. Il est fou lui, il a cru que j'allais choisir autre chose. Et comme je me sens d'humeur généreuse, tiens, je t'offre tout finalement. Ah, là je préfère ça. À toi aussi bien sûr, pas de jaloux. Merci, mais c'est trop. Je suis certain que vous en ferez un bon usage, contrairement à la Team Flair. Par contre,
je me permets de préciser que j'ignore l'utilité de la maxi-pépite. Je ne comprends pas ce que la Team Flair cherche à obtenir grâce au monopole de la Pokéball. Bon, bah écoutez, on va rentrer doucement, je pense que Sana va nous parler. Et puis dès qu'elle nous aura fait son speech, on se laissera peut-être là, ou on avancera un tout petit peu. Histoire d'aller jusqu'à l'arène. Faut que j'inverse le sens des tapis roulants. Ou sinon je passe comme ça en fait, je suis con. Par contre j'arrive pas. Voilà. Puisque tout est revenu tranquille, on peut faire une visite guidée, non? Après le passage à Team Flair, ça m'étonnerait que ce soit possible. À Team Flair, ce nom me dit quelque chose. Ce ne serait pas ces personnes que nous avons vues et qui portaient des costumes rouges? Hélas, oui, Trovato. En fait, la Team Flair. Ils ont embarqué toutes nos Pokéballs. C'est terrible. À mon avis, il vaut mieux se tenir le plus loin possible de tous ces filous. Oh là, il se lâche, Trovato. Trov, t'as raison. Cette Team Flair, je peux pas la blairer non plus. Bon, on fait quoi? La carte, elle indique qu'on devrait aller à la Frescale. La Frescale, je connais pas. Oh là là, Serena et Willy, vous êtes formidables. Vous avez réduit ces clowns en bouillie. Ne vous laissez pas emporter pour autant, hein. Sur ce, bye. Merci. Grâce à toi, tout s'est terminé sans casse. Même si je continue à compter sur toi à chaque fois, ce voyage n'aura plus de sens. Oh. Oh, on dirait une membre du Conseil 4, elle. De je sais plus quelle région. Flash spécial. La prise d'otage à l'usine de Pokéball dans la proche banlieue de Romans-sous-Bois s'est terminée sans incident notable. L'identité des agresseurs est toujours inconnue, mais la direction assure que la crise n'aura aucun impact sur la vente de Pokéball. Bon, bah écoutez, on va rentrer tranquillement dans le saut de Pokémon pour se soigner. Et je me suis tapé un giga lag. Allez, hop. Olga. C'est vrai qu'elle ressemble à Olga. Un petit peu. Mais aussi à une membre du Conseil 4, soit d'ici, soit de ON. Mais elle me dit un truc. Bon. Et bien sur ce, je vous laisse là pour cet épisode. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans le prochain épisode, on se rendra du coup à la fameuse Frescale, je ne sais pas encore où c'est, ni où ça se trouve. Je pense que c'est sur le côté est de Kalos. On verra ça. En tout cas sur ce, je vous laisse là. À très bientôt.